Un certain Clément Jean-Baptiste, qui habitait rue Saint-Vincent, voulant écrire un compliment, trempa sa plume dans le sang. Quelles étaient rouges les cerises que nous chantait Monsieur Clément. C'était plus beau qu'un évangile, c'était des mots de maintenant. Mais il faudrait que nos enfants n'attendent pas comme on attend. Qu'elles mûrissent les cerises que nous chantait Monsieur Clément. Bien sûr, c'est difficile de mourir quand on a 20 ans, mais pour quelques cerises, que ne ferait-on au printemps? De république en république, toujours cocu, toujours content, on applaudit les bons truands, au ventre rond, au ventre blanc, qui nous revendent les cerises qu'avait rêvé Monsieur Clément. Tous ces pontifes des églises, tous ces suiveurs de régiments, voudront nous manger tout vivant, mais ils se casseront les dents sur les noyaux de ces cerises du verger de Monsieur Clément. Bien sûr, c'est difficile de mourir quand on a 20 ans, mais pour quelques cerises, que ne ferait-on au printemps?